Allez, salut à tous les amis, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, et nous sommes le jeudi 15 mai, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Alien Noir Complete Edition. Donc je vous rappelle que nous venions tout juste, enfin on n'avait pas encore commencé, nous étions aux prémices de l'affaire qui s'appelle Un mariage au paradis. Donc c'était un mec bourré qui apparemment s'était fait renverser, il s'était fait éclater la tronche par une décapotable. Et donc notre chef, ou enfin notre supérieur nous avait relaté les faits et nous, eh bien on va se rendre sur les lieux. Donc une nouvelle affaire qui commence, j'espère que vous allez bien en tout cas aujourd'hui. Je ne sais absolument pas par où, oui c'est par là. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va. Alors hier j'avais dit, je ne sais plus, j'avais répondu à un commentaire, je disais que j'allais poster le Civilization 5 solo. Donc résultat sera aujourd'hui, hein. C'est-à-dire le jour là, maintenant, le jeudi 15 mai, là, au moment où je tourne cette vidéo, parce que le 14 mai, j'étais à un entretien, j'avais oublié de le préciser, donc j'ai pas pu. J'ai pas pu le poster. Enfin, non, ça n'a rien à voir. C'est que j'ai pas pu tout simplement. Le mec est déjà dans la voiture. J'ai pas pu tout simplement uploader une vidéo parce qu'en fait, j'ai DL un jeu, j'en ai profité, et voilà. J'avais oublié de le préciser. Résultat. Pardon. Résultat, voilà, il sort aujourd'hui le Civilization 5 solo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. D'ailleurs, il faut que je tourne de l'autre, du Seigneur des Anneaux. Oui, parce que quand même, faut quand même que je continue le let's play. Ouh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, mon Dieu! Les textures ne sont. Ouh, il y a eu un putain de bug. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est assez fun. Les textures ne se sont pas chargées. Et on a eu le droit à un truc parfaitement dégueulasse, c'est ça qui était fun. Donc nous arrivons sur les lieux du crime. Attention, on va se garer. Non, c'est pas trop ici que je me suis garé, Michel. Je suis pas d'accord. Ah bah déjà, un bar, bah voilà. Le Race Café, ça veut tout dire, forcément. Hein. Ouh, oh oui, il s'est bouffé le pare-brise de la voiture, il a pas aimé. Hein. Bah il y a laissé sa vie, le pauvre. Ouh. Bonjour. Oh, la petite moustache sympa. Oh, j'aime bien les cheveux. Oui, et je voulais dire, il faut que je tourne du Prison Architect, surtout aussi demain. Ça faisait trop longtemps que j'en ai pas fait, je vais en tourner demain. Mais je me tais. Je me tais. Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here, dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? Ah merde. The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Young lady. It's not a stage name. 24 years old. She left Kansas to follow the yellow brick road. Ça le fait pas 24 ans. We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. Okay. Bon. On va d'abord chercher les indices comme l'a dit comme l'a très bien dit Phelps. Bon déjà le chapeau qui est magnifiquement éclairé. Voyons voir. Alors, est-ce qu'il y a une indication peut-être sur une tâche ou. Non. Non, il n'y a rien. Vous voyez, je le manipule. Il n'y a strictement rien sur cet objet insignifiant qu'est ce chapeau. Bon. On va d'abord voir les traces de sang avant d'aller observer le corps. Oui. Oui, deux secondes, j'arrive. Oh. Ah oui, il s'est pris quand même un méchant coup. Corps a volé sur 6 mètres, quoi. Ça l'a traîné sur la route, le pauvre. Non, il y a rien, c'est une traînée de sang. Hein. Bon, on va aller inspecter le corps maintenant et puis on ira voir le reste après. Voyons voir. Eh d'accord, c'est pas du tout bugué. Non, en fait, je pense que là, le script a voulu que je me place de ce côté-ci, vous voyez. D'accord, alors lui, il est comme ça, lui. Ouh, il a eu mal, là. Ouh, il a eu mal. Fais voir ta tête. Il a un regard très, très froid. Au niveau des bras, on ne sait jamais. Il peut y avoir quelque chose, un bracelet, une montre, quelque chose, une gourmette. Peut-être l'autre bras, comme je vous ai dit, non, il n'y a rien. Bon, apparemment, juste quelques contusions, évidemment. Et ensuite, le plus... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Le plus important, c'est le manteau.
Faut qu'on chope le portefeuille. Oh. Il y a toujours un truc dans cette poche. Alors voyons voir. Ouais, le permis de conduire, je suppose. Non, License California. Last supported. Je sais pas ce que... Si, ça doit être le... Ou alors c'était un... Operative. Tu veux pas prendre les billets là? Allez, prends-les. Prends-les. Oui, parce que c'est des billets de 1$. Aux États-Unis, c'est... C'est des billets, alors que nous, ici, c'est des pièces, forcément. Ça change. Tu peux pas les prendre? Non. Ça intéresse pas. Bon. Oui, voilà, c'est un permis de conduire, j'avais raison. C'est bien un permis de conduire. Homme blanc, ouais, il habite à North Hope Street. Donc voilà, on a déjà son adresse. Et j'avais pas tilté ça. On a son adresse grâce au permis de conduire. Ça, c'est intéressant. On pourrait y aller. Eh, mais attends, attendez, il a une alliance, il est marié ou quoi, notre Phelps, là? Ouh, j'espère qu'on apprendra plus de choses sur sa vie plus tard. Voyons voir l'autre poche. California Fire Life. Lester Pattison. Ouais, machin. Cher Monsieur Pattison. News. D'accord. Un préaccord a été autorisé pour augmenter la prime hebdomadaire sur votre assurance vie de 3. Ok, d'accord. Cette augmentation prend effet à partir du 1er janvier. Car... Alors que le contrat standard en faveur des vétérans vous donne droit à un paiement forfaitaire de 10 000$ dans le cas de votre décès ou d'une invalidité définitive. Ce nouveau contrat est garanti. Maintenant à vos bénéficiaires une somme de 16 000. C'est quoi ces conneries? What the fuck? C'est quoi ces conneries? J'adore le gros what the fuck et qui... c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est ces conneries? D'accord, un contrat d'assurance vie... Parce que... D'accord, ok. Mais c'est triste ça. Bon bah écoutez, nous avons tous les indices. Mall reports he was intoxicated at the time of the accident. I know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Oh, un gros bouchon de radiateur. Oh, oh non, non, je n'imagine pas. Non, 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 non. Fermez les yeux, les enfants, ce n'est pas propre. Donc ici, d'autres taches de sang, bien sûr. Ouais, elle est dans le long du corps, mais... Ah bah oui, elle a foncé à tombeau ouvert. Ouais. Si c'était ça qui était écrit, bien sûr. Bon, la voiture, bien sûr, les traces de pneus. Bon, à mon avis, ça va... Pardon. Ouais. Oui, c'est parce qu'il me semblait, moi, j'étais là. Ouais, bon, on va retrouver les pneus. Avec les traces de pneus, on va voir la marque des pneus et bien sûr la voiture de crème. Bon bah écoutez, je vois qu'on a plus vraiment d'indices là pour l'instant à analyser. Peut-être dans la ruelle, non? Non, il y a rien. Ici il y a une bouteille, mais ça ne sert à rien. Non, non, ici il y a rien. Attendez, quoique, ça m'intrigue. Non, y'a rien. Non, y'a... Non, qu'est-ce que... Oh, monte pas sur les... Monte pas sur les gouttières, on a pas besoin. Bon, allez, hop, on va aller prendre la déposition de mademoiselle. Miss Perry? Eh, bonsoir. I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Miss Perry. Ah, Miss Perry, âge 24 ans. Elles ont toutes les cheveux courts à cette époque, c'est marrant. I came to the window because I heard people arguing downstairs. D'accord, bon, voilà, vérité. And what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Ah, c'est horrible ça. Bon, je vais essayer de pas me gourer dans les interrogatoires cette fois. Alors, je vous avais expliqué ma technique dans l'épisode précédent. Donc, je vous fais un petit topo, ça va aller rapidement. Lorsqu'un témoin dit la vérité, il ne bouge pas les yeux et il ne bouge pas la tête. Lorsqu'il est en situation de doute, il ne bouge pas la tête. Par contre, il bouge les yeux, il bouge la bouche ou il fait quelques signes du visage. Enfin, il y a quelques signes du visage qui ne trompent pas, quoi. Et lorsqu'il est dans une situation de mensonge total, il bouge son visage, il bouge son visage et sa tête en même temps. Il fait les deux, il est stressé, c'est... Bref, voilà, ça ne pardonne pas. Ça se voit direct. Donc, on va expérimenter. Normalement, ça marche, c'est imparable.
Ouais, deux secondes. D'abord, description du véhicule suspect, s'il vous plaît. Ah. A dark red Lincoln Continental. Did you see the license? Là, vous voyez, par exemple, elle bouge pas du tout. Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Ok, 3C8. Bon, c'est un début. Dispute. Alors ça, va falloir faire attention. Well, there were two voices. Man and a woman. That's all. Ah bah, voyez, déjà. Alors là, voyez, pour le coup, là, elle bouge pas la tête. Par contre, elle bouge les yeux, elle regarde au sol. Et voyez, on dirait qu'elle est en mode interrogation, en mode doute. Et voilà, j'avais raison. C'est imparable. Oh, c'est mignon. Oh! They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Ah ben là, franchement, il y avait du clash, c'est pour ça. Bon, bah magnifique. 3 sur 3. Ouais, voyez. You really think so? I hope you find that driver and put him away. Ouais, ouais, moi aussi. Et je suis niveau 7, on a gagné un point d'intuition. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. Ouais, bah on va pouvoir expérimenter avec le barman. Tout à fait. Bon, en tout cas, vous avez pu vous constater qu'avec cette technique, bah, ça fonctionne. Vous voyez, je me suis absolument pas trompé. Bon, évidemment, les premières questions, elle était complètement sûre. Bon, voilà, c'est pas possible de se tromper quand ils disent la vérité. Mais là, vous voyez, par exemple, j'ai compris que c'était dans une situation de que la discussion était dans une situation un peu douteuse. Elle n'est pas certaine de ce qu'elle disait, la femme, là, la jeune femme. Et vous voyez qu'elle ne bougeait pas la tête, mais juste les yeux et la bouche. Et donc voilà. Donc si jamais vous voulez faire le jeu, vous êtes au courant, c'est ma petite technique maintenant, je vais utiliser ça. Je l'ai trouvé tout seul, hein. Je l'ai remarqué plutôt, on va dire. Ah bah tiens, un autre journal, on va avoir un flashback. Le psy des stars promet des progrès décisifs dans le domaine mental. Alors lui va encore faire des trucs horrible. Ah, parce qu'il fait flipper, hein. Il fait flipper, ce médecin. Regardez-moi ça. Déjà, j'aime pas sa tête. Treatment can unfortunately be very long term. So many of the patients here are addicts, doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, doctor. Non, ils sont sous sédatifs. Non, mais il y a une merde quelque part. Je sens quoi avoir à faire à lui. Oh putain. Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal? Oh putain, ça sent la magouille, ça sent la grosse magouille. Ça pue. Ça pue. Ce médecin ne me dit rien qui vaille. Oh bonjour, très cher monsieur. Ah, vous avez pas l'air bien, vous. Il y a il y a des photos de chevaux. Ouais, magnifique. Bonjour, monsieur. How can I help, detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? Ah, j'aurais dit que c'était le patron. He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Ah, 33 ans, d'accord. Alors, c'est parti. On va pouvoir encore une fois expérimenter ma nouvelle technique. Enfin, ma nouvelle technique. C'est même pas ma technique, hein.
je sens que c'est ça, ça va être ça pour le jeu entièrement. Alors, accident avec Daily de fuite. Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Vous voyez, alors là par exemple, voilà, complètement. Mais là, à la limite, par contre, il bouge la tête. Donc, attendez. Voir le carnet. On va juste voir Lincoln Continental Rouge. Donc, le portefeuille, il y a encore de l'argent dessus. C'est-à-dire que personne n'est allé le voir. Enfin, pour lui piquer son. Enfin, pour voir ce qu'il y avait dedans, quoi, pour le fouiller. Rapport du légiste, ouais, dispute inattendue. Ouais. Mais alors là, pour le coup. Attendez. Parce qu'il bouge quand même un peu. Pardon. Il bouge la tête quand même. J'hésite. Non, bon, là, attendez, parce que je me souviens plus de ce qu'il a dit. On va quand même utiliser un point d'intuition pour être sûr. Ça remet en cause complètement ma technique. Non, voilà. Donc c'est doute. C'est ce que je dis. Non, j'étais pas sûr là parce qu'il bougeait quand même la tête. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. D'accord. Donc, vous voyez, heureusement que les points d'intuition sont là, parce que si jamais j'ai des doutes, s'il ment ou si doute, voilà, les points d'intuition me permettent quand même d'assurer le coup. Ça, c'est bien. Do you know the lien avec la victime. Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Ah. Là, par contre, il dit complètement la vérité. Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No, he came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Sympa. Dispute dans le bar. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Alors là, pour le coup, aussi, il me trouble parce que il sourit. Ah, il va falloir que, ouais, j'étoffe un petit peu ma technique parce que j'avais pas pensé à ça, aux expressions. Parce que, si jamais, quand même, il bouge les yeux, mais qui sourit ? Mm-hmm. Ah, c'est troublant, franchement. Il sourit, mais... Bah, attendez, on va quand même... Dispute inattendue, un témoin dit avoir entendu une dispute. Attendez, on va voir si j'ai... Moi, perso, je pense qu'il ment ou qu'il y ait doute, puisqu'on a une preuve. Bah, le témoin a entendu la... Mais non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est... Oui, c'est ça, pardon. Non, c'est doute aussi. Non, doute. Pourquoi Lorna Patterson était en such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty... Bon, j'ai utilisé deux points d'intuition. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo. Leroy. The owner. Ok, bon. Maintenant j'ai compris. Dès qu'il bougeait un peu la tête, un tout petit peu. Qu'il bouge un peu les yeux, ok. Non, c'est bon. Maintenant je vois. Plus besoin de points d'intuition. Who knows? I just served the drinks. Alors ça déjà c'est une grosse connerie. Bartenders hear all sorts of things. Voilà. Are you gonna tell me or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Oh. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? À 12 points d'XP, hein. They weren't given too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Bah attends, ça peut être un bon divertissement de voir des gens s'engueuler. Enfin, je veux dire, des fois on entend des choses intéressantes, pardon. Alors, normalement, il y a un téléphone. Ouais, voilà, c'est dans la pièce d'en face. Bon, j'aurais utilisé mes deux points d'intuition, mais maintenant, je suis certain au niveau de ma technique d'approche. Attendez, il y a des choses. Là, on peut sortir par derrière. Intéressant. Attends, pousse-toi, collègue, j'ai besoin d'appeler Central.
Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Ah oui, c'est vrai, pour le propriétaire de la voiture, effectivement. Ah, just a moment, tu ne fais pas attendre, s'il te plaît, d'accord? William Shelton. Thanks. Alors là, j'ai plusieurs endroits. Bon, ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller squatter. Alors, par contre, au niveau indice, il y a encore. Je sais pas, parce qu'à chaque fois, au niveau des affaires, je me gourre. À chaque fois, au niveau des indices, il manque toujours un indice ou une connerie comme ça. Du coup, dans les poubelles, il n'y a rien. C'est jamais, hein. Non, ça m'a l'air d'être complètement vide. Pas un véhicule suspect. Non, il n'y a rien. Pas un truc, là. Non, il n'y a rien. Une bouche incendiée. Une voiture. Est-ce que si je monte dans la voiture... Ah, carrément, ouais. Ah, ben voilà, génial. Non, c'est juste pour les débloquer que je fais ça. Donc voilà, j'ai débloqué un pick-up. Alors, le problème, bien évidemment, c'est qu'avec les voitures non police, qui ne viennent pas de la police, bien sûr, vous n'avez pas les informations de centrale, vous ne pouvez pas avoir les affaires, si vous voulez, voilà. Vous ne pouvez pas être contacté pour des braquages, par exemple, ou des enlèvements, pardon. Ce n'est pas possible. Bon, eh bien, écoutez, on va reprendre la voiture, on l'a garée où? On l'a garée juste là-bas. Enfin, c'est garé toute seule, d'ailleurs. Hop! Donc, comme je vous l'ai dit, on va se rendre chez la victime. Si mon collègue est d'accord. Allez, cours plus vite, Michel, là, on y va. Moi, je te laisse. Alors, où va-t-on? Lieu, par contre, il m'a pas dit où aller. Lieu, Race Café, domicile de Patterson. Donc, c'est Patterson. Ok. On va au domicile de Patterson. Peut-être, peut-être que sa femme sera présente, bien sûr. On va tourner par là. Donc, ça a l'air de monter. According to the patrons, her old man was a piece of work. You don't think, Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this brawl. So what? Maybe she deserved to catch a break. No. Oups, j'ai mis la sirène sur votre espèce, ça m'a fait stresser l'autre. Ah, encore une affaire. Non, on va pas répondre. Là, autre chose à foutre. Non. Cette fois, je ne fais pas de petites affaires. Là, j'ai envie d'avancer sur l'enquête. Pourquoi pas la terminer aujourd'hui? Parce qu'en général, ça prend 30 ans et j'ai jamais le temps. On va pas répondre à cet appel. De toute façon, on en a tout le temps, tous les 4 matins. On a un nouveau braquage. Comme la dernière fois, le type a braqué une banque tout seul, quand même. Hein. Bon, il a regretté. Ah, charmante petite maison. C'était une belle petite bicoque. C'est cool, ça. C'est pas trop grand à fouiller. C'est pas très grand à fouiller, effectivement. C'est pas très grand à fouiller. Le gros flemmard, tu sais. Oh. Yes. Bonjour. Hello. Mrs. Patterson. Is this about my husband? Non, pas du tout. We're investigating the incident, ma'am. I see. C'est au sujet du vendeur de poireaux de la rue en face là-bas. Apparemment, il vendrait de la drogue cachée dans des poireaux. We wanted to give you the facts about the accident, ma'am. I appreciate that, but I think I know most of them already, detective. He was hit by a car. Now he's dead. D'accord, et tu t'en fous? What more is there to tell? Pardon me, but you don't appear to be too upset about it. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. D'accord. I see. So you probably did well to stick together this long. What's that supposed to mean, mister? Ooh. I think it's about time. Non, je crois pas, non. I have someone here, and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, oh, c'est l'autre mec, là. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy.
Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. Ouais, good friends. You expect me to believe that? J'avoue. Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. Oh. And Lester knew about D'accord. that? D'accord. No. I hadn't. D'accord. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Rendezvous. Ah ouais, il prononce bien la française. Le rendezvous. Ah, ça me fait marrer. Bon, alors c'est parti, en avant pour la technique de professionnel. En tout cas, il me dit absolument rien, son pote là, j'ai envie de le claquer. Oh. Bon, accident avec délit de fuite. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Non, là elle tourne les yeux. Mais alors est-ce que... Voilà, j'avais raison encore une fois. Enfin, elle bouge pas vraiment la tête, mais les yeux. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. Voyez. Encore une fois, j'avais raison. Elle ne bouge pas la tête, mais les yeux. Enfin. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça filme toujours, je m'en excuse. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Retour Windows comme ça, pour rien. Je ne sais pas. Donc je ne sais pas si ça a corrompu, excusez-moi, le fichier. Mais en tout cas, si vous voyez une image fixe, bah, c'est normal. Enfin, si vous voyez une image fixe il y a de cela 2 minutes, c'est normal. Alors, nature de la dispute. You were arguing in the bar and on the sidewalk. You were always arguing. So what? Non, alors là, carrément, c'est mensonge. Parce que là, elle bouge. Vous voyez? Non, elle bouge la tête. Elle bouge. Ah, j'hésite là. J'ai envie de mettre mensonge, mais mensonge, j'ai quelle preuve? Don't lie to me. Something was different this time. You're clutching at straws. Attendez, qu'est-ce que j'ai pour. Non, pas déposition de Lynch. Rapport du légiste, dispute entendue, possible association à faire entre... Ah ouais, ça c'est bien ça. Bon là par contre j'ai peur de faire une connerie peut-être parce que je m'a... Enfin... J'hésite. Là je dirais calmement parce qu'elle bouge quand même beaucoup, mais j'hésite entre dispute entendue par... et déposition de légiste, possible association... Ouais non, on va mettre dispute entendue. Ah, je me suis trompé. Ah, ça aurait pu être bon hein. Bon, c'est pas grave, je me suis trompé, c'est pas très grave. Hein. The bartender said that you and Leroy were planning to go into business. Ah bah en plus j'avais pas eu ça, merde. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Mince, j'ai mis tout. This place can't be worth much. Oh, je me suis encore trompé. Là c'était nul. My father left me this house and some money. Lester took out a second mortgage. I held on to the money and kept my mouth shut. And that's all I'm going to say on the subject. We're leaving. Ah, j'ai fait qu'une. This doesn't add up. Qu'une question sur 3. Là, j'ai chié. Come on, ah, j'ai que 5. J'ai que. Pardon. J'ai que 5 d'XP. Non, là, je suis dégoûté parce que là, ma technique, pour le coup. I'm out of here, Lorna. I got a business to run. Non, bon déjà. Pour la deuxième. Oui, d'accord. Pour la deuxième question, c'était quand même très 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 tendu. J'avais pas de point d'intuition. Donc là, ok. Par contre, pour la troisième, en fait, elle mentait. Donc c'est vrai que dès qu'elle bouge la tête vraiment et qu'elle regarde par terre, maintenant on sait qu'elle ment. Donc voilà, ça s'affine de plus en plus. C'est pas grave. Là, j'aurais fait que 1 sur 3, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que. Ah d'accord, il veut que j'aille appeler, d'accord. Mais écoute, si tu veux que j'aille appeler, je vais appeler, hein. Mais je suis pas sûr que ça sert vraiment à grand chose. Je m'en souviens plus si elle m'a... Peut-être.
Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Are there any messages for me? Just one, Detective. Ah, le légiste. Ouais, c'est pour ça qu'il m'a indiqué le téléphone. Phelps, see me at Central Ok. Bon, il va falloir que j'aille à la morgue. Mais écoutez, je vous propose direct de nous rendre à la morgue parce que moi je veux voir le corps, je veux savoir ce qui s'est bouffé dans le bide, le pauvre. C'est horrible, c'est horrible à dire, mais je veux dire, y a que le sang qui nous intéresse. Puis là, j'ai pas envie de laisser le moindre indice, enfin la moindre zone, parce que dans l'affaire précédente, j'avais laissé sans faire exprès, j'étais pas allé à la centrale, il manquait des indices, résultat, donc c'est pas grave. Bon, résultat, je suis quand même dégoûté, là, pour cet interrogatoire. 1 sur 3, j'étais... Pardon, je suis pas encore totalement gay. Ça s'annonçait plutôt bien, et au final, bon, le deuxième, j'ai douté. C'était assez chaud. Vous serez d'accord avec moi. Par contre, le troisième, là, j'ai fait n'importe quoi. Bon, maintenant, je sais. Non, je ne ferai pas d'affaires. Ce n'est pas la peine d'essayer. Et là, on se balade dans les quartiers, un peu... Assez aisé de Los Angeles. Enfin, on m'a dit que c'était New York, mais normalement c'est Los Angeles, hein, c'est pas New York. Hein. Enfin, ah oui, on m'avait dit de montrer la carte aussi. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. La carte. Donc voilà, la carte. Voyez à quoi ressemble la carte. C'est quoi, LT? LT. Ouais, la carte, c'est ça. Donc effectivement, ça ne ressemble pas vraiment à New York. Hein. C'est Los Angeles. Mais voyez, elle est très très grande. Hein. La map est vraiment gigantesque. Donc. Vous voyez, ça commence au nord, donc avec Hollywood. Après, on descend, on a Wilshire, Division 7. Ouais, bon, après, la division, on s'en fout. Donc déjà, ça fait une énorme partie. Voilà, on redescend ensuite. Je ne sais pas ce que c'est exactement. On a tout ça, le... Central... Oh là là, putain, excusez-moi, je suis avec, j'avais pas vu le N. Central, vous voyez, cette énorme partie de map, et puis on a tout en bas, vous voyez, donc la map est gigantesque. Je vous ferai pourquoi pas une grosse balade un jour, pour essayer de, par exemple, un petit circuit touristique pour vous montrer tous les monuments du jeu, ça pourrait être sympa. Voilà, donc c'est parti, on y va. Allez, on fonce à la morgue. Je vais voir les résultats de l'autopsie. Regardez-moi ce virage de professionnel. J'ai fait ça toute ma vie. Ah bah tiens, en plus c'est juste là. Ça tombe bien. Vous allez voir qu'il va encore se garer tout seul. Je vais pas pouvoir faire mon crâne. Hein. Mon petit crâne. Hein. Ah bah, ouais. Vous voyez, ils veulent pas qu'on fasse des créneaux. Il est 5h36, d'accord. Ok. D'accord. Et le mec a déjà fait l'autopsie. Bonjour, excusez-moi, pardon. Je vais fouiller le bureau. Ah, je peux pas. Voilà. Je sais pas ce que tu racontes, mais ça ne m'intéresse. Oh, c'est bon, ouais, calme-toi. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again. Pardon. Victim was dead before the car hit him. Ah. Two puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. I've been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long sharp knife, length of a bayonet. So the hit and run was a cover-up. I'd say he was stabbed twice at very close quarters. Both wounds thrusting upwards and then pushed in front of the car. Easy, Tiger. Clever, really. I almost missed it. The trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. Find the knife, detectives. Yes, sir. All comes back to the crime. Ceci explique cela. Cet homme a été poignardé froidement par quelqu'un. De toute façon, ça sentait le meurtre. Un mariage au paradis, ça puait. Vraiment, ça puait. Oh, c'est le matin, le soleil se lève. Bon, bah, écoutez, où est-ce qu'on va pour l'instant? Je propose d'aller... alors, lieu. Où est-ce qu'on va? Domicile de Shelton. On va aller au domicile de Shelton. Je ne sais absolument plus qui est Shelton, mais c'est pas grave. On va y aller quand même, comme ça sera fait. Histoire de récupérer de l'XP. Wow! Attention, jeune homme. Oh, bah tiens, il y a le tram en plus. Ah oui, par contre, faut que je fasse attention aux musiques de Elle est Noire parce que j'ai eu, la plupart des musiques sont connues. Je l'avais pas dit, mais j'ai eu des problèmes de droits d'auteur. Sur un des épisodes de Elle est Noire, j'étais dégoûté.
Donc il y a un moment, je crois que le son est un peu traficoté. Bon, heureusement, ils ont amélioré leur système pour retirer des titres à la vidéo, pour les baisser, qu'on les entende plus, je crois. Et ouais, ça, c'est encore en bêta, mais ça a l'air de marcher plutôt bien. Et voilà, résultat, ma vidéo n'est plus soumise aux droits d'auteur. Mais ça m'a jeté là, non, mais ça prouve quand même que les musiques sont connues. Bon, après, je sais pas si vous les avez reconnues, parce que c'est quand même... Je sais pas si elles sont toutes vraiment très très connues, mais en tout cas... bon, elles sont d'époque, quoi. Alors... Et il me laisse pas me garer, je... Non, bah, j'étais pas de ce côté de la route. J'étais téléporté. Je refuse. Et le mec, il a son chapeau qui rentre dans le plafond de la voiture. Ceci est tout à fait normal, très cher. J'aime bien l'endroit, en tout cas. Ah, ça sent mauvais, ça. Ça sent mauvais, ça. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Guy? Qu'est-ce que tu fais? Non, ça pue. Ah, bah, c'est sa voiture. Ah, bah oui, mais c'est le mec qui était dans la bagnole. William Sheldon. Grayer. Yes. It doesn't look good, Sheldon. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Sheldon. Oh, c'est gentil de valise. J'en avais pas, tiens. Non, mais ça sert à rien. Les mecs, ce qu'ils savent pas, c'est que c'est inutile, quoi. Ah bah tiens, il y avait un flic. C'est inutile de faire ça, les gars. Je vous rattraperai forcément dans un jeu vidéo. Allez, sérieux. Arrêtez de blaguer, là, les gars. Wow. Vous savez très bien... Démolissez. Bah déjà, il a plus de coffre. Alors, avant de le démolir... En plus, c'est des voitures scriptées. Bon, tu vas t'arrêter, oui. Ok, mais c'est génial, la poursuite. Je le colle au train. Le mec s'enfuit. Allez! Ah ouais, ah, je suis d'accord là. Je suis d'accord, ouais. Étonnant qu'il ait tué quelqu'un. Mais il l'a pas tué, bouffon, on vient d'aller. On vient d'aller voir le médecin légiste. Oh, alors ça t'as pas aimé, sauf que le mec ne s'arrête pas. Non, je n'ai pas moyen de sortir mon arme. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est vrai. Le problème proche au jeu, c'est que les poursuites sont vraiment trop scriptées, quoi. C'est ça. Mec, il est 50 ans et avant de s'arrêter. Et... Sors de là. Sors de ta bagnole. I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love me. Ouais. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead. Sheldon. Mais vous êtes stupide ou quoi? William Sheldon, you're coming downtown. Non, mais alors ça par contre, ça, alors ouais, ça je pense que c'est une erreur du script. Parce que franchement, je viens d'aller voir le médecin légiste pour me dire que le type est mort, poignardé avant même d'avoir été percuté par la voiture. Alors que là, ils sont pertinemment en train de l'inculper pour avoir pour être l'auteur de l'homicide en gros. Ça, c'est un peu dommage, ça s'adapte pas vraiment. Enfin, faut qu'on fasse. Les visites dans l'ordre, ça je trouve ça vraiment... c'est un peu con quoi, il faut le dire. Ouais, vraiment c'est pas... Ouais, c'est dommage. Oh! Bon. Oups! Excusez-moi! Oh putain, j'ai pété tout le devant de la bagnole, ça va encore... Oh, mais les mecs, sérieux, apprenez à conduire. Oh, superbe. Un mec est rentré dans sa voiture. Ça, on l'avait pas vu encore. Bon. Phew! Et dis donc, on a même pas eu le temps de le petit déjeuner. Hein. Cette journée n'est pas de tout repos. Excusez-moi, on tourne. Et du coup, c'est où? C'est par où? Alors, est-ce que je vais pouvoir me garer? Non! Oui, si! Bon, cette fois, c'est un peu plus réaliste. Putain, mais le mec, il roule. GG, il roule assez près du trottoir.
Mais attendez, c'est pas le bar. Attendez. Ah oui, parce que maintenant. Oui, il faut qu'on leur reparle, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Lester could be a heel. We just wanted to check the crime scene over one more time for anyone to go out. If that's all right. Can you be quick about it? Cops are bad for business. Really? We'll tiptoe, Sabo. You won't even notice us. Ah, mais c'est pour ça, je le savais. C'est pour ça qu'on pouvait se déplacer. Je me disais aussi, c'est pour ça que derrière, il y a encore un emplacement et qu'on peut ouvrir la porte. Évidemment, sinon, ça n'aurait pas d'intérêt, les gars. Eh oui, il y a forcément une arme du crime qui a été cachée dans la poubelle ou ici, derrière, je sais pas, mais c'est obligé. Et est-ce que ici, du coup, on peut... Ah, ici, j'ai pas regardé. Oui, j'avais pas vu la poignée. J'avais pas vu ici. D'accord. Table de poker, ok. Ouais, bon, il y a rien d'autre. Génial. Avec des photos de chevaux encore. Bon, au final, on s'en fout. Non, mais il y a forcément l'arme du crime. Eh ben. Ouvre. Oh, ouvre. Non, mais. Oh là là, mais quel empoté, ce Phelps. Allez, ouvre cette putain de porte. Bon. Tu fais ta forte tête. D'accord. Moi aussi. Est-ce qu'on va pouvoir le réinterroger? Non, pas encore. Ah, voilà. Bah oui, c'est parce que... D'accord. Alors ça, peut-être. Non, ça n'a rien à voir. Bon, la bouteille non plus, je suppose. Allez, je le fais quand même. I don't think so. This is gonna... Je sais pas exactement comment on dit, mais ça va pas nous aider, en gros. Dans la poubelle, y'a rien. Si. Ah, voilà, j'ai trouvé. Bah oui, sous le journal. En fait, c'est pour ça, tout à l'heure, en fait, j'aurais dû... Ça vibrait, mais je pensais que c'était... Par rapport... Je pensais que c'était par rapport aux bouteilles. C'est pour ça que je me suis trompé. Donc voilà, un beau couteau magnifique avec du sang sec dessus. Enfin, il a eu le temps de sécher, je suppose. Alors, parle, Mackay, tu es pris au piège. Leroy Sabo, you're under arrest for the murder of Lester Patterson. Not gonna happen. Mais sérieux, le type? Non mais. Go. Putain, mais ils sont tarés dans ce pays. Il est où? Il est où? Il est où? Viens là, sac à frites. Ah, oui, je sais, je suis fort. Hein. J'étais champion de tir depuis 1987. Ouais, ouais, ouais. Je suis même passé président de la fédération récemment. Et j'en suis fier. Ouais, ouais, ouais. Bon, oui. N'empêche, le mec... J'ai la pétain lourd câble. Non, je ne crois pas. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Have patrol pick up. Pour ramasser, tu sais. Bon, ça nous fait un deuxième cadavre sur les bras. Légitime défense, les mecs, hein. Ah oui, là, il nous a tiré dessus. Légitime défense. Bah oui, il se ramène. Genre normal. Ah! So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first degree murder. This is how ah, génial, une affaire réussie. C'est parfait. Take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Et je comprends plus, y a pas de serveur au bar, hein. Ça sert à rien de s'asseoir, les gars. Bon, normalement, une nouvelle affaire classée, c'est parfait. Bah c'est parfait, c'est pile l'heure de la fin de vidéo. Mais il m'en manque toujours un. Si vous aviez réuni vos preuves plus rapidement, vous auriez pu coincer à la fois Lorna et Leroy. Merde. Mais voyez, c'est pour ça. C'est pour ça. Quand je suis sorti du bar et que j'ai fait le tour, j'aurais dû, quand ça vibrait, mais je croyais que c'était les bouteilles. J'avais pas tilté que c'était la poubelle. Ah, je suis dégoûté parce que, effectivement, lorsqu'on a interrogé donc Lorna et ben, le mec qu'on vient d'assassiner, enfin de tuer, quoi, avec le fusil à pompe, eh bien, en fait, on aurait pu tout simplement les coincer. Mais c'est pour ça qu'il manque une preuve. Les questions correctes, 8 sur 10. Bon, bah, c'est les deux seules que j'ai loupées. Bon, à chaque fois, on fait une moyenne comme ça de 8. C'est pas mal. Non, franchement, c'est bien. Affaire classée. Peut-être arrivera-t-on avec ma nouvelle technique à faire du 10 sur 10. Bon, peut-être pas pour les autres. Ils sont encore, mais.
Voilà, bon, une nouvelle affaire classée, c'est parfait. Je vous laisse la petite cinématique et puis on va se laisser... on va se laisser là, voilà. Je vous laisse avec l'introduction au Sleep of the Town. Carte très grise. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Frazier from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. D'accord. Bon ben voilà, ça introduit pas mal l'affaire. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je me suis éclaté, franchement, j'ai bien aimé. Après les cours, là, ça détend, franchement, elle est noire. Et je ne vous cache pas... Et que ça détend. Voilà, donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Je vais préparer du Prison Architect et la vidéo spéciale 2000 abonnés, vous allez voir. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.